bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West, évidemment, toujours sur PlayStation 5. N'oubliez pas la 4K 60 FPS, donc installez-vous confortablement, on est parti tous ensemble pour un épisode qui s'annonce majestueux. Matez la qualité, regardez, incroyable, j'ai vraiment, je suis toujours subjugué, même à l'épisode 6, c'est incroyable. Bref, on est donc parti pour la suite de notre aventure. La quête n'est pas très loin. Et je dois d'ailleurs, me semble-t-il, faire quelque chose. J'entends des bruits très 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 suspects. Et ça, c'est fort embêtant. On va tout récupérer. On va tout récupérer. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, si j'ai bien compris... Des traces. Peut-être celles d'Eren et de l'avant-garde. Ok. Eh ben écoute, on va les suivre. On va les suivre, on va les suivre. Oh. Mais j'ai envie de le tuer, moi. Hein. C'est ça le problème, là, non? Il commence à me saouler, hein. Je vais lui tirer des flèches. Attention, hein. Il est mort. Il est mort. Oh non, miskin. Il est mort. Mais oh, os de raton laveur, c'est violet. Incroyable. Du stuff rare. Très bien. On continue. Bon, voilà, on va devoir massacrer tout ce qu'on croise. C'est terrible. Hein. J'espère qu'on va pas devoir massacrer des renards. Parce que là, ça me ferait vraiment de la peine. Bougez pas. Niveau quête, quand même. J'aimerais bien savoir un tout petit truc. Parce que là, on suit la quête principale. Mais celle-ci, où est-elle sur la carte? Aha! Aha! De gros ennuis, très bien, c'est embêtant. Et celle-ci, on pourra faire un petit détour. Ok! Et le service personnel, niveau 32? Obtenir la marque du... D'accord. Très bien. Ah, une pincée de courage. De la viande sauvage récupérée de la Vernonie. Cette dernière pousse généralement sur les sols rocheux. Très bien. Et les sols rocheux, il y en a là. Pas mal. On va retourner sur la quête principale. Ok. Ok, on est sur les sols rocheux. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Oh, matez ça. Oh non, j'ai loupé une sorte de corbeau. C'est terrible. Les tunneliers, ça, on fouille rien à péter. Ok, ensuite. Voilà, pas de soucis. Tiens, 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 que se passe-t-il? Désolé. Voilà, ça fera assez de gibier. Pas mal. Récupérer de la Vernonie maintenant. Où ça peut être? Où ça peut être? Est-ce que c'est ça? Non, c'est de la pierre, ça. Est-ce que c'est ça? Il y a moyen, hein. De la pierre toujours. Dans l'œil. Désolé. Je pense que ça sera toujours important de récupérer tout cela. Quoi d'autre? Par contre, je trouve pas la verme. Ah, c'est terrible, je sais même pas à quoi ça ressemble. J'aimerais bien trouver à quoi ça ressemble un peu, là. Histoire de pas galérer. Une pierre. Une pierre. C'est terrible. Une pierre. Pourtant, on est dans un endroit un peu rocheux. Encore une pierre. Ah, qui sait? Oh, une pierre toujours. Et... Oh, ok, ok, il s'est passé quelque chose ici. Très bien, on y va, c'est ça? Hop, 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 hop. Ok. Wow.
voilà. C'est pour ça que j'ai été forgé. Un profit à remplir. Bat-nous, ennuyeuse. Juste le marteau. Et le combat. Aloy. Erend. Reste où tu es. Je m'occupe du reste. Ok, maté ce qu'on va faire. Je pense que personne dans ce monde n'est prêt. Je sors des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. Ok. C'est le moment de sortir les munitions. La faiblesse, c'est l'électricité. Oh, Miskin, regardez l'effet de l'acide sur lui. Incroyable, ça le bouffe. Sugoi, Sugoi. Et ben voilà, bonne chose de faite. Ah. Mort. Wesh, il vient de ramasser un arbre. Ok. Ok. Les problèmes. Wouh! Les problèmes toujours. Wouh! Ok. Alors là, c'est compliqué. J'ai chié dès le début. Mort. Ça m'a coûté très très cher en stuff. Mais bon, écoutez, de toute façon, fallait ce qu'il fallait. Hein. Dommage. Dommage. Ça va m'apprendre à travailler encore plus mes approches, si je puis me permettre, évidemment. Allez, on a débloqué un point. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va aller tout fouiller avant, quand même. N'abusons pas des bonnes choses. C'est entièrement mérité. Une bobine est désormais disponible dans votre inventaire. Débloquez les emplacements de bobines sur vos armes en les améliorant. Et équipez les bobines que vous récupérez. Très bien. Ça, je me souviens, c'est pour améliorer. C'est des sortes de mods un petit peu des armes. Donc, plutôt cool. Pas de soucis là-dessus. Je m'en souviens comme si c'était hier. Hop, on récupère. On récupère. Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. On récupère et on récupère parce que j'en ai suffisamment. On verra dans la réserve. Oh, qu'est-ce qu'on a là, regardez. Voilà. Allez, parfait. Bon, on va retrouver Erend et ça, c'est cool. Ah, tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, les côtes, c'est surfait. Oh, oh, ça va, ça va. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couard pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu, pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche, ce qu'on a fait, ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr.
Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule? Bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Voix 10, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer voix 10 à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi ? Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien, laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la Flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Rend, écoute. Je suis désolée que ça ait été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider. Ah. Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer. Ce que je dois faire... Je ne peux même pas l'expliquer. Pas même à ceux qui comptent pour moi. Tu sais, je voulais juste te rendre service. D'accord. Eren, par la forge. Va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, vraiment, t'as d'autres choses à faire. Apparemment. Mais on va se débrouiller sans toi. Bon, il nous fume du drisse de jalousie, celui-là, ça va pas? Allez, sécurisez les couards à la limite! Rejoindre la source des explosions. Bon, on va le faire. Mais avant, comme je vous avais dit, il y avait un tout petit détour. Hop! Il y avait un petit détour, et ce détour est... Oh putain, incroyable, en plus c'était par ici. Et là, on a les fouisseurs, et on a une poignée de courage. Mais c'est dingue, ça! Allez, let's go! Toutes les routes mènent à Rome et à la quête principale, et ça me fait plaisir. On va tout récupérer. Oh, mais ça, on en a assez, ça. Ouais, je vais arrêter. Tout va dans la réserve à chaque fois, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai entendu un bruit bizarre. Comme un truc qui résonne comme un cri de bête. Un cri de bête, un cri de machine. Ah non, c'était juste des sangliers. Oh! Oh, pop, pop, peu cher! C'est donc à ça que ça ressemble. Oh! Ok, allez. Je vois à quoi ça ressemble. C'est donc effectivement en plein sur les pierres. Par contre, une seule, c'est mince. C'est quoi ça, regardez? Quelle est cette plante? Une fleur aquatique. Très bien, écoutez, on prend quand même... On prend quand même et on va aller chercher l'autre fleur aquatique ici. Sur un malentendu, si j'en ai besoin, ça peut être super cool. Ça, c'est fait. Oh, oh, oh. Ça, on ne sait pas c'est quoi. Il n'y a plus... Oh là là, matez ça, bordel. Tellement beau, tellement beau. Qu'est-ce que c'est au sérum, là? Vite, il faut ramasser ça avant que les pierres arrivent. Les fouisseurs chargent droit sur eux.
Alors... Parfait. Ça va ou quoi? T'es tombé à pic, Nora. Dépêchez-vous de rentrer à Skorok, avant de vous faire tuer. Nickel, nickel, nickel. Toutes ces pièces. Allez les gars, on s'y remet. Oh, putain, je peux pas vous aider à fouiller là, comme ça je rate ma part. On continue. Vous savez quoi, on va aller faire les fouisseurs. Et on va rejoindre évidemment la source des explosions. Oh, c'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais, mais attendez. Quel est ce fut? Wow, 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 wow. Oh non! Aide-moi! Leur point faible de merde! Wouh! Allez! Aucun souci. C'est pas possible, ça s'arrête jamais les gars ou quoi? L'angoisse, vous êtes angoissant. Je suis bien joué. T'as pas mangé le sol, mon ref? Wow. Voilà. Voilà. Hop, je me soigne vite fait. Bien vous êtes les refs. Wouh. Waouh. Wouah, non, je suis mort. Parfait. Mais c'est pas vrai? Ah non, c'est bon. Si, il y en a encore. Oh là là, ça s'arrêtera jamais. Non, mais attendez, ils viennent à l'infini là. C'est bon là? Voilà. La carrière est sûre. Étrangère, viens par ici. Il faut qu'on parle. Ah, d'accord. C'était donc par ici que ma quête se passe. Très bien. Bah écoute, on parlera un tout petit peu plus tard, Marus, parce que là, avec tout le merdier que j'ai foutu là-dedans, j'ai des choses à récupérer un peu partout. Je mets ça de côté. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir aller ici, genre. Ok, let's go. On va aller récupérer les autres quêtes. Je suis sympa, mais quand même, j'ai mes limites, hein. Vu que c'est juste à côté, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et il paraît que l'exploration est plutôt bien récompensée. J'ai été repéré à l'ouest de la carrière. Je devrais peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée. Ok. Donc on avait deux quêtes hein, là-haut. Hein. Non seulement récupérer les trucs qu'on trouve sur les cailloux, n'est-ce pas ? Un fouilleur mort à des chutes. Je devrais aller voir. Ok. Donc les fouisseurs, c'est une sorte de taureau. On dirait que l'impact l'a tué. Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise. Je devrais continuer de suivre la piste. Donc direction le haut de la falaise. Euh,
Ah ouais, mais c'est incroyable, toutes les petites croix sont des points d'accroche. C'est monstrueux. Bon, attends, on a rien à faire là, mais enfin, c'était quand même assez spectaculaire. Allez, bâton cochon, t'inquiète, je vais pas te tuer. Hop, 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 hop. Vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Moi, je le vois. C'est le principal. Allez, plus que un. Et on aura une quête en plus à ramener. Ça va faire 3 quêtes en tout. C'est assez insane. Bon, c'est pas les meilleures quêtes. Mais vu qu'on veut vraiment être pointilleux. Le prochain combat. Sur le lore et en profiter au maximum, bah pourquoi pas en fait. Hein. J'ai la dernière. Incroyable. Très 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 stylé. Ça, ça me fait plaisir. Bon, suffisamment de vermine. Ok. Oh bah tiens, oh il y en a beaucoup. Incroyable. Ok. Et où est le dernier? Il est là. Très bien. Suivant. Suivre le chemin à l'arrière de la vallée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Noé, noé. Regardez-moi ça. Encore un fruit sur mort. Une gemme. Verte comme la flambée, mais dure et brillante. Je me demande si ça intéresserait des marchands. Inconnu. À 49 pas. Très bien, continuons. On est face... On est vers la fin. Ah, c'est les mines. Et tous ces arbres brisés. Comme si un troupeau était passé. C'est de là que viennent les fouisseurs. Très bien. À moins c'est bizarre. Que cette grotte nous mène hors des poires. Le rocher fendu. Bon, voyons un peu où ça mène. Enquêter dans la mine. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va faire les fouisseurs. Hop, vu qu'on y est. Et après, vous vous inquiétez pas, il y aura juste à récupérer la mission secondaire. On a des petits trucs sympas. Chaque décor, les amis, chaque décor est vraiment tellement bien travaillé. C'est un bonheur pour les yeux. Ok. On va passer par ici. Les anciennes voies se sont effondrées. C'est récent, on dirait. Je ne peux pas passer par là. Ok, ça on prend. Donc je peux que passer par là. On est d'accord que je peux pas passer et parler de là-haut. Hein. Oui, effectivement. Très bien, on va faire le tour. Peut-être un boss? World boss, ça m'étonnerait. Il y en avait dans Horizon 1, j'espère qu'ils en ont remis là. Des fouisseurs. Alors ils sont bien arrivés par là. Ils ont dû se retrouver piégés. Je vais devoir les abattre avant de fouiller la zone. Bon. Allez, allons-y, let's go. Faire une quête principale bien plus compliquée que ça, petit, hein. Bon. Il faut que je cherche d'où vient la fumée. Ah, je peux plus faire de flèches acides. Ça, c'est fort embêtant. Ça va être très embêtant, ce qui se passe là. Ça, c'est pour la réserve. Ça, on peut y aller. Pas de soucis là-dessus. On dirait que la mine est très profonde. Ok. Il y a beaucoup de flambées en bas. C'est flambée ici pour faire sauter une montagne. Et il y a un message sur l'un de ces barils. Ah, je suis à sec. Ah, voyez, c'est ça mon problème.
C'est que je voulais examiner et ça a fait péter mon propre piège. On dirait que cette mine n'est plus censée être exploitée. Wolvoon a voulu gagner de l'argent. La continue de creuser toujours plus profondément. Je vais aller dire à Javad ce que j'ai trouvé. Je prends cher sur combien de générations là, les gars? C'est peut-être bon là, non? Vache! Wow, stop! Ok. C'est fini la quête? Attendez, quoi? Ok, c'est fait. Très bien. On va faire la quête principale. Très bien. C'est fait. Allez, on se casse. Hop, cascade. Oh, regardez-moi ça. On va tout fouiller, évidemment. Alors, Wolvoon continuait les explosions dans la mine pour essayer d'en tirer des ressources. Jusqu'à ce que les fouisseurs rebattent. Les explosions ont peut-être ouvert un passage. Mais vers où? Enquête qui poursuivra évidemment le cours de son chemin, je pense, un peu plus tard. Pas de soucis là-dessus. Direction notre quête principale. On pourra rentrer bientôt au village pour rendre toutes les quêtes en temps et en heure. Pas de soucis là-dessus. Ça va être très cool. On va gagner beaucoup de trucs. Normalement, si tout va bien. Je l'espère en tout cas. Allez, on retourne voir la petite vallée que j'ai vidée tout à l'heure. Déjà, ils doivent me remercier. Oh là là, ça, on prend ça parce que ça, je pense vraiment que ça va être utile. Ça, on prend. Vous voyez, finalement, j'ai pas pu crafter plus de... C'est quoi qu'il me faut? D'accord. Ok. Sorte de potion un peu. J'ai réussi à en retrouver trois, donc... Vous croyez que je peux faire ça? Je suis mort? Je suis mort? J'ai perdu de la vie? Non, ça va. Ça va. Par contre, une petite animation de plongée pour Aloy, ça serait pas trop. Alors, peut-être à l'avenir. T'inquiète, Aloy, on a pris notre douche annuelle, ça fait du bien. Hop, ça en prend. Très bien. Allez. Le bois, j'en ai plus besoin. Les pierres, j'en ai encore besoin. Il est temps d'aller récupérer la quête. Oh là là, matez la beauté du game, s'il vous plaît. C'est incroyable. Ruine quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, on va rendre la quête. Et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode 6. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail? Mega et moi, on n'est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant que vous ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvund a tant de pouvoir que ça? Il a l'argent et les relations, alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Je dois continuer. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Ok, mais j'ai pas eu beaucoup de cadeaux, voire aucun. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Skorok peut reprendre le travail. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ulvund. Très bien, ça. Et à Voidis. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer. Alors, ça c'est bien aussi, ça. Sauvegarde rapide, c'est fait. Sauvegarde manuelle,
On va le faire aussi. On n'a jamais trop de sauvegarde. Hop. Merci. Au revoir. Suite de l'aventure. Hop, ça on prend, évidemment. Attendez, laissez-moi réfléchir. Oh, ça peut-être nous donner l'occasion de retourner par là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très intéressant. Donc, site de coureuse. Mais j'ai pas encore l'aptitude hein, pour... Ouais, site de coureuse, c'est des montures. Des munitions électriques pourraient m'aider. Peut-être monter. Ouais, bah j'ai bien compris, mais enfin, comment je monte là-dessus, moi? Trop bien. Avant, fallait... Trop bien. Comment on court? C'est pas une coureuse, ça! C'est un truc flingué! Il court, bordel de merde! T'es qui, toi? Ah oui, putain, faut appuyer sur croix! Mais j'ai eu peur, j'ai dit, c'est quoi ce truc flingué, oh! Excusez-moi du peu, mais bon, Allez, de gros ennuis. On y va, on se casse. On se casse. Ah bah, je sais pas où je vais, bordel. Oh putain, c'est tellement... C'est limite trop rapide. Hop, ça, on prend. Allez, on va y aller à bord de la coureuse. Ça nous évitera de marcher, vous l'aurez compris. Si je trouve le bon creuset, je pourrais apprendre à pirater cette machine. Ah, les fouisseurs ont dû tuer ces océans. Les creusets, c'est toujours ce que je pense. J'espère qu'Eren et le reste de l'avant-garde vont bien. On va pouvoir rendre toutes les quêtes d'un coup et ça fait très 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 plaisir. Ok, c'est la première fois qu'on va aller par là-haut. Ok. Allez. Barre-toi, bichette. Plus besoin de toi. Désolé. Il est temps de monter, on va rejoindre la mine. Et on va s'arrêter là, d'ailleurs. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai apporté un soutien inébranlable dans votre soirée, votre journée ou votre nuit. Je vous dis à très bientôt. Et il est temps de rejoindre la mine, mais par où? Je n'en sais rien. Eh ben, j'ai peut-être trouvé la solution. Allez. Oh, pour réparer la monture endommagée, approchez-vous et maintenez triangle. D'accord. Eh ben, on verra ça lors du prochain épisode. Oh là, c'est tellement beau. Waouh. Allez. À très bientôt, tout le monde.